Nous ne pas déroger nous avec là, nous allons parler football parce que Coupe du Monde là, c'est pratiquement événement planétaire qui gagne, capable de rassembler plus de monde. Eh bien, nous pas qu'à faire exception avec là pour ne pas parler de lui, pour ne pas présenter des informations utiles, j'aime toujours faire en émission ça. Patrice qui branché Haïti 360, c'est un plaisir pour nous répondre à l'invitation. Haïti 360 à soir, nous allons traverser Coupe du Monde, je nous dis, c'est pas jeudi à faire Coupe du Monde, c'est toute une histoire. Pratiquement depuis 1930, ben mondial là, et par rapport avec la guerre qui était gagnée, malgré ça, événement pas campé après la guerre mondiale, ils ont recommencé avec la Coupe du Monde. Yo. Année ça, en la Coupe du Monde, il y a un ancien champion qui parle là, mais il y a 7 anciens champions, donc la tradition quand même, il était bien vivante en la Coupe du Monde. Ça. France Exil, première question, c'est pour vous, comme on voit que vous attendez toute la journée dans la radio, il y a une Coupe du Monde pour nous-mêmes haïtiens, pour tout peuple sous la tête d'une manière générale, ça, ça veut dire comme événement sportif. Bon, bonsoir tout le monde. Pour Haïti, c'est un bail particulier parce qu'en fait, Haïti est rentré dans la question Coupe du Monde en force à part, en 1974 avec la première participation d'Haïti à une Coupe du Monde. Et depuis, c'est la fièvre. Gagner peut-être des situations antagoniques. Qui fait que la piste, la piste chaleur toujours, il y a une piste ambiance stade, la question Brésil-Argentine. Vingé un développement, question chez mon club bio, et avec surtout Barcelone là, fait que Haïtien bien planté la question football. Mais en dehors de ce qu'on appelle l'impact football, l'impact économique, jouet là sous pays en général, parce que c'est pas seulement Port-au-Prince, le bassin de Port-au-Prince qui est en effervescence, c'est tout le pays, c'est voir. Et l'OPA de la Coupe du Monde, non, qui ça a généré d'une manière générale et qui a quitté dans le pays là, au mois de juillet, disons 16-17 juillet, qui est capable de quitter et on allait mieux à la fois pour le sport haïtien d'une manière générale, mais aussi du point de vue social, du point de vue économique. Parce qu'en fait, il y a un peu l'activité génératrice de revenus qui va dépendre de ça qui a commencé demain. Et moi-même, c'est dans le cancer, c'est-à-dire est-ce que effectivement. J'entends des négligences économiques qui disent est-ce que c'est des activités qui parlent doper la croissance? Est-ce que le fait que Nek vend en pile télévision, est-ce que ça a augmenté le revenu effectivement qui parle de 2-3 jeunes d'Arabab dit job et pour vacances? Non, parce que effectivement nous avons augmenté le chiffre d'affaires non, par l'effervescence que ça a créé et dans des gagnants. Sur télévision, par sa télévision, ils ont un backup de télévision cryptée ici. C'est tout le monde a couru sous lui. Ok, effectivement, bien content, business a marché. Est-ce que lui-même, à partir de ça, ça va le faire générer de droits d'emploi en plus? Même si dans le camp, ça a mieux. Et en dehors de la satisfaction générale de qui prébat, de courir à des rapports, etc., de boire en bière, etc., mais qui s'accrété par rapport à mouvement économique qui, forcément, qui va avoir un petit impact sur la consommation des boissons gazeuses, des boissons alcoolisées, que nous avons tout dit, nous prenons avec modération. Avec modération, mais tout gagné, et qui est non visible, peut-être docteur Yves, qui est capable de parler le mieux, c'est le volume stress que, et dans le moment ça, les mordus du football, Il y a évacué et ça a effectivement un gros impact sur la maladie cardiovasculaire et de manière positive alors. Donc moi-même c'est l'aspect ça aurait intéressé mon pile. Qui ça a quitté comme emploi, qui ça a quitté comme génération de revenus. Est-ce que quelqu'un qui vient plus bon après mondial là, je suis bien content si ça a fait comme ça. Est-ce que quelqu'un qui s'est tiré bien parce qu'effectivement dans le cadre mondial, il n'y a pas qu'un stress qui est évacué et puis il vient mieux, il y a des tensions pas montées, moi je totalement la donne. Alors Fanfan et font gros traversé là, côté du météo accent particulier sur l'aspect économique et l'aspect social. Là, que nous avons pour nous retourner sur la deuxième partie. Oui, Derivo, 3,2 milliards de monde te suivent mondial 2014 là. Il y a une effervescence mondiale autour de questions Coupe du Monde là. Écoutez, football, Coupe du Monde de football sont événements planétaires qui suscitent un peu de passion. Ils ont ferveur extraordinaire partout à travers le monde. Ou bien pile le monde depuis que l'événement s'est arrivé. Ils ont totalement focalisé sous lit. Et non seulement ils nourrissent, comme on dit, par des rivalités, côté que c'est le moment côté
côté que fanatique Messi, fanatique Ronaldo, et traditionnellement ça a toujours été le cas, même le, à l'époque du Appelé, Didi Vava Garincha, même le Johan Kofte là, Franz Beckenbauer, c'est toujours des rivalités, il y a eu les rivalités entre les Pays-Bas et la Belgique, maintenant phase éliminatoire. C'est la passion, une passion dévorante, un enthousiasme indescriptible, une fièvre qui gagnait tout le monde. Et dans l'époque du monde, c'est comme si son parenthèse, côté que tout le monde était scotché à la télévision, ou bien il choisi à un pays capable. Tant pour ce chiffre là qui a lui-même seul illustré justement ça, me suis expliqué là, c'est-à-dire cette frénésie populaire pour le sport le plus populaire, justement, le football. Donc, ça montre que à quel point j'en sais que importance dans la vie, dans l'existence, dans le quotidien. Tout être humain, tout le monde qui est sur la planète bleue, ça. Alors, pratiquement, et Coupe du Monde football là, je n'ai pas dit que c'est un peu les chiffres, mais c'est Coupe du Monde tout qui a fait dans le plus gros pays en termes de superficie. C'est 17 millions de kilomètres carrés, ville pas proche. Donc, ça demande en pile infrastructure, en pile mobilisation de matériel roulant pour permettre que le monde soit sur Coupe du Monde. Ça, le docteur, absolument. La Russie, ou dit encore, c'est un pays qui vaste qui gagne. De l'Oural à la Sibérie, du Golfe de Finlande pour arriver, ils n'ont sorte de espèces sur le continent qu'on parle de l'Eurasie. Parce qu'il y a un bon portion en superficie qui en Asie, majorité en Asie, plus de 67%, et le reste en Europe. Donc son pays continent très vaste, et que Coupe du Monde ça va pas le dérouler dans 11 et villes, côté que, ou jeune, et pardon, 12 villes et 11 stades. Donc ça vient de faire que tout de Moscou pour arriver Samara, de Kaliningrad pour Nizhny Novgorod, entre autres, de Saint-Pétersbourg à une ville Takoué et l'ancienne Stalingrad qui c'est Volgograd, et bien ça montait qui ça montait que, et bien en deux pays ça, non seulement Russie, les Russes en eux-mêmes qui c'est des amants du football, pas lié à l'époque de l'Union soviétique, les soviétiques ont gagné le premier championnat d'Europe des nations en 1960. 4 ans plus tard ils ont été finalistes contre l'Espagne, ils ont été fin de battre l'Espagne en 64 ans plus tard, l'Espagne pour revanche. Après en 70 par exemple, tant que demain ça va le faire contre l'Arabie Saoudite, ils ont joué le match d'ouverture contre eux, le pays hôte à ce moment-là, le Mexique, qui définit 0-0. Donc, au groupe pays qui est extrêmement vaste, qui a profité tout de Coupe du Monde de football. Retourner au premier plan. Absolument. Retourner parce que pas oublier que là, on est là où on est que des sanctions qui frappaient la Russie à cause justement de ce qui s'est passé, par exemple, dans l'est de l'Ukraine avec indépendantistes qui tapent vos mains et que Yogongos en Tchétchénie, à cause de l'intervention russe en Crimée aussi. Donc, une sorte de désaveu de l'Occident envers la Russie. Et la Coupe du Monde représente quoi? Reconstruction. Une occasion justement pour capable refaire image. Une image qui sérieusement est cornée. Même le G8, dont l'Assemblée s'est tenue au Canada il y a quelques jours, où on ne peut pas parler du G8, on parle du G7. Et que les Russes, même les gagnants, quelques leaders qui étaient plaidés pour capable de retour, dans Trump entre autres, mais ils ont toujours exclu. Ça veut dire que c'est bon terme qui est capable de qualifier ça. Un événement gigantesque dans un pays gigantesque. 17 millions et 50 700 kilomètres carrés, c'est énorme. Donc, c'est un très très grand pays, mais malgré tout, à part que non seulement tous les Russes, à part le gain pour un pile russe, à part le gain pour suivre lui, mais la planète tout entière, à part le gain pour suivre l'événement. La rédemption pour la Russie qui a brûlé l'image justement à partir de la Coupe du Monde, ça, et son rédemption qui coûtait cher, il faut le France Exil, pratiquement, il était prévu à 3,2 milliards, c'est nous dans l'ordre 6,2 milliards là par rapport avec la prévision qui fait, et 11 stades, et sous pratiquement 8 ans, la Russie était bien pour le construire, c'était un chantier gigantesque. Alors, on nous dit c'est 11 villes, 12 stades. Et il y en a 2 à Moscou. En fait, il y a fait investissement ça pas un, parce que en fait, d'un point de vue géopolitique, il faut qu'il repositionne sur le marché. Mais également, il y a une image de vous remarquez que Poutine fait silence son paquet de gros dossiers pendant ces 6 derniers mois. Parce que l'IPA voulait mettre tête en porte-à-faux avec la communauté internationale, parce que le mondial est important pour lui, pour le redresser de la zone. Mais au regard de chiffres que nous sommes là, sur, que le docteur Yves a baillé sur la question superficielle, et moi-même, c'est rapide, je vais mettre dans le football, gagner un gros danger
dans la question distance stadium, si et les équipes favorites ne sont pas premières, ils vont faire des déplacements énormes. Et pratiquement, c'est des voyages par avion. Équipe deuxième, yo, gagne gagne deuxième, ceux qui ont glissé. Et on prend un exemple simple, le Brésil, c'est le groupe E. Et sur le deuxième, on est capable de changer de zone. Et les salles pas bon pour vous parce qu'au fait, on, quartier, on prend un quartier non zone, leur premier plus ou moins est à proximité. Hein. Et ça fait, d'un point de vue technique, il y a un gros effet sur la préparation de l'équipe. La deuxième chose, c'est que ils ont fini d'organiser les Jeux Olympiques d'hiver, là, qui font un paquet, ils font un paquet d'argent, ils font plus de bagailles que prévu, ils ont sanctionné un paquet d'athlètes qui ont fait dopage. Donc, ils ont un ensemble de questions extrêmement épineuses pour répondre par une organisation presque parfaite. Pour bail, parce que tout le monde est content de voir les installations russes et gigantesques, ils sont capables de dire que c'est des bails fastueux et pour capter, conquérir et le monde. Donc maintenant, comme moi-même, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez le football, l'équipe n'est pas du tout en jambe par rapport au match de préparation, mais ce n'est que match de préparation. Mais merci pour 3 millions à Paila et comme prévision d'investissement et France Exil, il faut y rentrer là, quand il y a, même. Il y a, non, c'est évidemment, oui, parce qu'il y a un grand paquet. Il n'y a pas de débouché là sous de nouveau peut-être traité de commercial par rapport à ça au vendre. Parce que mon c'est le ou c'est le ou ou quoi. C'est-à-dire que ils comprennent exactement que ça ou ça fait, même si de point de vue sportif, il n'est pas évident avec des hivers rigoureux ça, et il est presque capable de fonctionner de fin mars à fin octobre. Donc toute cette année-là, sont en mort, pas du point de vue sportif, mais recevoir des événements. Par exemple, au bail Ukraine, Kiev et finale Ligue des Champions, ou pas le stade russe, forcément, pas recevoir des compétitions européennes. Il y a la Ligue des Nations, l'Europe, qui peut le mener en non situation plus générale revenu. Et autre chose qui parle importante, c'est quand même en exposure. C'est parce que l'OPFA dit que c'est dans la caillou, ou une équipe de gamme, il n'y a pas de deux. Maintenant, il n'y a pas de doute, caméra fait travelling de tous côtés, il y a pour tout détail des milliers de journalistes dans le pays. Hein, à partir de ce moment, il y a fait Zoom, il y a fait Snapchat, pas professionnel, mais qui est assez présent, qui a brûlé des images en time, time. Donc, à partir de ce moment, gagner, ils ont l'autre vision des Russes. Mais maintenant, comment le peuple russe, ce qu'on appelle les Russes, l'ancien soviétique, l'Union soviétique, qui c'était au thème de question, est-ce que culturel, de point de vue, je dirais. Est-ce que accaparer événement? Est-ce que accaparer événement? Parce que le fait que tout football pas numéro un la caille. Donc il compte ça tout. Est-ce que on élimination prématurée capable de faire gagner, capable de les Dakar ont certaines défections, désaffections du public pour mondial là? Je n'ai pas encore les chiffres de combien et participants, il y a parlé de 1 million. Il y a parlé de 1 million. Mais, au fait, on ne peut pas aimer que bel stade ça, stade gigantesque ça, et puis il y a vide. Donc, c'est surtout ça qui gagne grosse inquiétude là-dedans, dans la mesure où, et là où ici, ce n'est pas un gros cylindre d'affaires football, mais ça l'a montré, parce que quand même, il y a plusieurs composantes pour raconter du monde. Il y a d'abord l'équipe de football qui doit être représentative et compétitive. Il y a aussi les infrastructures sportives, parce que le cahier de charge de la FIFA, son bagage extrêmement, il est capable de dire, étoffé et puis qui exigeant. Donc l'ordre des présidents FIFA Infantino dit la Russie fait prêt, cela veut dire que ses conseillers, l'équipe technique de la FIFA dans le domaine, analyser et rendre compte que tu n'as pas gagné pour le Brésil la pareille date, n'est-ce pas, 10 jours, 8 jours avant le mondial brésilien, il y avait des inquiétudes parce que le débat n'est pas fini et il y a pour réviser. Donc ce n'est pas le cas pour la Russie, totalement prêt de point de vue infrastructurel. Très bien. Rudy Rivaud n'a pas parlé de 6,3 milliards d'investissements. Qui vient l'argent à rentrer et générer des bénéfices? Écoutez, la Russie en général sont destinations touristiques très prisées. Par exemple, en ville de Saint-Pétersbourg, sur les bords de la Neva, c'est 5 millions de touristes par année. C'est beaucoup. Moscou, c'est au moins 3 millions. La ville qui peut visiter en Russie, c'est Saint-Pétersbourg. Donc, à partir de Man,
touristique là, c'est sûr que dans pile l'argent qui va rentrer. Donc si ça est capable de doubler voire tripler à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Ça c'est le premier là, là. Deuxième élément, en dehors justement de rédemption ça que Russie a cherché côté Poutine, le premier ministre Medvedev, en fait tout le gouvernement russe, il y a aussi des retombées réelles captant Russie après Coupe du Monde. Ou pas jamais en Coupe du Monde déroulée dans le pays. Et pour que parler après de déficit. Par exemple, pour les Jeux d'hiver qui étaient déroulés à Sochi, sur les bords de la mer Noire, dans cette station balnéaire qui est située sur la mer Noire, dans pile infrastructure qui ont été construites, que après ont été du mal pour exploiter. Bah, exploiter, faire rentabiliser. Mais pour Coupe du Monde, ce sera différent. Alors, il y a parlé de 3,2 milliards de dollars comme doit être pour 2014. Oui. Et pratiquement 2018, là, nous pensons qu'il y a pété de la France. Ah oui, la va l'augmenter. Il faut dire aussi, si tu me permets, on dit, droite et Léa, c'est un bail qui est exclusif à la FIFA. C'est pas l'organisateur. Ça, c'est comme FIFA, LAN. Le pays organisateur lui-même n'a pas généré de revenus, nous sommes avec Dr. Yves Abdia, sur question touristique, sur les produits dérivés. Les produits dérivés. C'est tout risque à parler. Comme là, c'est tout risque à parler de faire les solutions. Non, l'autre bail, on n'a pas le dit, mais pourquoi tu es fini. L'autre bail, vous nous dites, c'est que. L'URSS a toujours été une grande nation de football. Maintenant, le mur de Berlin est tombé, okay, depuis 1989, mais on n'est pas capable de détacher ça que l'ancienne Union soviétique, actuellement Russie, qui a essayé de retrouver sa puissance, son prestige, son aura d'antan, on n'est pas capable de détacher de performances que sélection soviétique ont réalisées. On parle au début des années 60. C'était l'une des équipes les plus fortes du monde. Même là, il craignait, il était plus. Non. Leonid Slutsky, qui a été mis en pile espoir sous lui. La participation à l'Euro 2016 a été un fiasco total. L'y remplacer qu'on n'y a pas Stanislav Tcherchesov, qui a misé sous lui pour au moins pour qu'il puisse aller le plus loin possible. Quand on voulait arriver là, une élimination de la Russie au premier tour de sa Coupe du Monde, ce serait une catastrophe. Catastrophe. Alors, d'abord sportif et pour le prestige et même économique du pays. Économique. Économique, oui, parce que quand on désaffection, dans le stade, bien que grand pile étranger qui est capable plus ou moins compenser et désertion stade par les Russes à proprement parler. Donc, ils n'ont pas le droit à l'erreur. La Zbornaya, c'est comme ça que les sélections, ils ont l'obligation d'aller le plus loin possible dans sa Coupe du Monde. Mais ce n'est pas facile. Il y a un groupe qui, a priori, largement à leur portée, avec l'Uruguay, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Match d'ouverture demain au stade Louzniki de Moscou, devant 80 000 spectateurs face à l'Arabie Saoudite. Eh bien, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Coûte que le gain, pour mettre en selle pour la suite des événements. Très bien. Haïti 360 a un pile football, vraiment un pile football à parler, et déjà. Par rapport avec qualité intervention, parce que même qu'il a commencé à joindre un peu de lumière, eh bien, j'en ai toujours fait là, c'est promotion connaissance utile n'a fait en émission ça, et promotion connaissance ça, pour aller tourner tout de suite après pause là. Haïti 360, c'est émission ça, on va suivre dans le moment sous chaîne de télévision l'État, télévision nationale d'Haïti, n'a pas les Coupes du Monde, mais qui, Jean,
pays qui pas qualifié pour Coupe du Monde, même nous capable profiter de gros espaces qui à la fois économique et social, mais également sportif. Mais c'est de ça qu'on a parlé avec invité nous, Rudy Erivo, médecin de son état et France Exil, lui-même que vous habituez tant de tout le temps comme commentateur sportif dans Radio Ibo. Nous parlons de tactique dans le moment ça en Haïti 360 et un élément qui est extrêmement important, n'a pas gardé que 32 équipes. Pratiquement chaque équipe yo a des figures que yo aligné yo souterrain, hein. Gen des schémas tactiques pratiquement t'es abandonné, mais nous ouais qui refait surface pendant 4 dernières années là, yo, surtout à travers championnat européen. Par exemple 3-5-2, nous t'as parlé en coulisses tout à l'heure là qui retournait. Il faut faire dis nous et par rapport avec gros favoris yo, qui schéma tactique vous pensez qui plus dominant en dans et Coupe du Monde ça qui va le faire là. 32 équipes yo pas c'est pas d'égale valeur parce que au fait il y a des entraîneurs qui changent et il y a l'autre. Parce que l'équipe qui paraît fort, en général, ils ont gagné sans avoir une prédominance dans l'équipe là qui joue. Par exemple, l'Espagne fait l'école catalane base là, qui était axée sur le fait qu'on a de petite taille. On va jouer technique avec beaucoup d'habileté, on va jouer dans les espaces, nous pas capable de jouer ce qu'on appelle un duel direct. Donc Barcelone et puis toute l'école espagnole branchée sur question ça et le West Bayou prend deux coupes d'Europe, il prend une coupe du monde. Le Brésil pas abandonné totalement ça d'affaire. Brésil fait un gros mixage avec Tite de manière très réaliste et il croit que comme on dit dans NBA, les équipes offensives par les NBA, c'est les équipes défensives. Donc, Tite fait un mixage, quand il a joué en 4-3-3, mais pas oublier, le line-up que vous voyez au départ dans la télévision, etc., etc., c'est pas ça pour veiller. Vous êtes capable de vous rendre compte que, vous dites à parler tout à l'heure en micro, que la Belgique joue un 3-4-3. Un 3-4-3 avec Gantongen comme arrière central gauche et puis Boyota, quelque chose là. On est capable bientôt bien d'avoir Virel. Bien Virel comme arrière central gauche ou bien Gantongen en couverture parce que l'autre là allait. Maintenant, lorsque on a un ballon, quand on tire équipe, on peut avoir effectivement le 3-4-3 très clair. On peut avoir effectivement les deux arrières centraux qui ont écarté et puis un arrière qui fait en V. Sauf qu'on tire en ligne dans le temps. Je crois qu'on pourra. Je ne vais pas faire une concurrence, mais je ne vais pas montrer ça avec. Donc, on peut tirer V1, ou ouais, 3 arrières centrales. Donc, on peut 4 milieux de terrain alignés plates avec 2 médias défensifs, ou bien yon devant. Et puis, contre équipe, peut-être Poyon ou bien plus passer. Mais immédiatement, au cas où je n'ai plus fort passer, au cas où on compte que carrément, yo peut-être en 5-3-2. Parce que yo renforcé défense, ou bien renforcé milieu de terrain. Donc, la question tactique, c'est surtout de l'animation. Qui ça m'a fait l'aimer ballon? Qui ça m'a fait l'aimer ballon? Est-ce que m'a récupéré haut? Est-ce que m'a récupéré bas? Est-ce que parce que équipe yo, gros équipe yo, bon des avantages. On dit peut-être pas, peut-être moi chez ça. Jouer un pile match. Léo Messi, c'est 54 matchs. Par exemple, le numéro 1, 54 matchs là, je veux dire. Luis Suarez, c'est 56. Donc, gros joueur un pile match. Il va falloir que vous teniez compte de ça, dans la préparation physique là, parce que c'est régénéré, t'as régénéré la réunion là, tu vas faire gros activité. Par exemple, la France, pour petit poids, semaine dernière, et puis un petit poids, fait autant comme tu as cadeau papier génique dans l'eau, contre les États-Unis. Donc, ça va le déterminant dans le choix tactique. Mais il y a des équipes carrément qui sont immuables. Jean, l'habitude de jouer comme ça, jouer. Non, oui, là, jouer. Ça dépend de l'adversaire. Adversaire qu'on gagne, parce que le groupe n'est pas tellement relevé. Il faut dire ça. Le groupe n'est pas tellement relevé. Mais ça qui arrive, je prends le pour que le pays d'Haïti peut-être appuie à pas le suivre, c'est pour le Brésil. Le Brésil va jouer contre deux équipes européennes de 50 zones, la Suisse et la Serbie. Il y a des gros joueurs là-dedans qui ont une grosse équipe. Cependant, ça qui arrive que l'équipe ça a un take-off en deux mondial. C'est-à-dire que ils ont une forme. Ils ont une forme vis-à-vis des Brésiliens, monde qui jouait petit match en deux équipes ça, ils ont le Danilo. Et si William est titulaire, c'est avec William. Mais les autres, bon, comme Neymar lui-même est blessé,
Bon, ça, je vous dis. Mm-hmm. Donc, ce sont des joueurs qui gagnent en charge de travail sur yo extrême. Donc, ça va peser lorsque on va jouer chaque 3-4 jours. Mm-hmm. Et puis, on va jouer la Coupe du Monde. Donc, c'est 7 matchs en 30 jours. Très bien. Donc, en d'autres termes, gagner une capacité de récupération. Donc, tactique, est-ce que m'a joué dans les 30 premières minutes, m'a essayé un petit peu, m'a conservé. Est-ce que m'a joué full dans le temps match? Est-ce que ça va dépendre? Parce que c'est les questions qui vous seront posées. Tout dépend des questions qui vous seront posées. S'il y a posé une question très huppée, par exemple, l'Espagne et le Portugal a commencé dans classe philo. Il n'a pas commencé dans la maternelle lui-même. Mm-hmm. Donc, il y a un examen d'État dès vendredi et 2h. Donc, il n'y a pas de temps pour. Pas de temps. L'Allemagne parle. Le Mexique en général, l'équipe de seconde zone, mais le Mexique a posé des questions. Mm-hmm. L'Argentine va gagner au muraille devant. Si on n'est pas capable de jouer une pénétration balle au pied, ça va être compliqué. Mm-hmm. Parce que les Islandais parlent défendre de 25 mètres. Ils parlent massifier. Ils parlent massifier. Exact, c'est le mot. Alors, docteur, non, je docteur, vous dites niveau 5-3-2, 4-2-3-5-2, 4-4-2, 4-3-3. Qui va tactique, qui va être plus avantage et par rapport avec la Coupe du Monde qui va dérouler là, qui est-ce qu'on a plus? Ouais, et dans mes favoris qui affiche tel ou tel schéma tactique. Notamment, fait ressortir trois éléments. Premier élément, c'est que pas un système qui est supérieur à l'autre. Mm-hmm. Et Coachio a composé, a géré ressources que l'on a à la disposition. Mm-hmm. C'est, et puis tout, suivant, on est capable de dire philosophie du joueur là, conception tactique. Gens qui ont une équipe au campé. Et puis, regardez qui élément au disposition, qui joueur que vous avez à disposition, puis vous mettez un système de jeu. C'est ça que, par exemple, une équipe, tant qu'au Mexique, traditionnellement, depuis quelques temps, le Mexique joue avec 5 défenseurs. Mm-hmm. Il y a un système qui est capable de transformer, muer en 3-5-2. Mm-hmm. Donc, là, il n'a pas attaqué, il vient 3-5-2, mais là, il a défendu. Il sait toi de une base défensive simple, par exemple. Dans le match États-Unis, France a été joué. Ça qui te gêne les Français sérieusement, c'est parce que les Américains jouent avec 5 défenseurs. 5 défenseurs qui sont considérablement gênés et qui disent des champs. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut qu'on ait qui sont dans le monde. Et puis, toi, partir de philosophie ou de conception au joueur plan. Et puis, aligner l'équipe qui a bon meilleur. Mais si on dit là, il y a dit bon, bah d'accord, parce que le Brésil, qui est censé petitrer, pratiquement son 4-4-2, parce qu'il va changer. Il a pas, il a 94, il joue déjà là. Immuable. Par exemple, dans les années 50 ou 60, c'était 4-2-4. Haïti, la Coupe du Monde 74, ça. C'est avec 2 milieux de terrain qui jouent. On profite de saluer toutes les générations ça qui ont réalisé cette fabuleuse épopée de 74, Philippe Vaud et autres. D'accord? 4-2-4. Mais ben après ça, au début, après 74, au début des années 70, 4-2-4, et puis tout autre va entrer plus pifon dans les années 70, il vient dans un système de 4-3-3, avec 3 milieux de terrain, 3 attaquants généralement. Et puis c'est graduellement, pendant que Jouet Club vient de plus en plus tactique, vient plus calcul, vient d'abord une question pour ne pas perdre. Nous songeons à ce type, où il y a Karl-Heinz Rummenigge qui a joué dans Bayern Munich, qui vient quitter Bayern, Calais en Italie, à l'Inter, un passage pour nous dire qu'il était quand même catastrophique, assez catastrophique. Il y en a un meilleur joueur allemand de tous les temps. Monsieur Dou, différence entre le football allemand et le football italien, c'est qu'en Allemagne, on joue pour gagner. Et en Italie, on joue d'abord pour ne pas perdre. Aussi simple que ça. Ah, aussi simple que ça. En 78, Italie quitte son seul grand monde à la printemps de l'attaque. L'a joué système, le fameux système du verrou, le Catenaccio, que Elenio Herrera de Vinavel, qui te permet que Inter de Milan champion d'Europe en 64 et en 65. Eh bien, Yoba Argentine au bout de goal, bon, en 78, Bétega, tout dominé, Argentine dominé. Avec Osvaldo Ardiles, Galvan, Tarantini, Kempes, Bertoni, on va jamais égaliser. Et l'Argentine perd du match. Mais bon, bon, époque en Haïti pratiquement, où tu as l'impression, même dans le petit football, moi, c'est comme si le football est 4-4-2 seulement, on est qu'on joue. Au début, c'est pour ça. Au début, c'était avant tout. C'était avant tout l'attaque. Mais à partir de l'année 2000, où il y a une mutation, nous retournons à un ancien choix tactique qui était pour nous faire dans l'année 70, on va parler là, qui vient de mettre le choix. Je n'ai pas envie de fermer. Justement.
Je vais pas plus fermer parce que question de wap sorti ou jouer à l'extérieur, la caille ou quand ils ont plus offensif, mais leur sorti d'abord c'est préservé et résultat nul là et al bat au moins pour faire un goal à l'extérieur pour pas perdre. Ça vient fait que ou conduit des équipes qui campaient en 4-5-1. Très bien. Ou bien en 4-4-2, en 4-4-2 classique avec 4 militaires, 4 défenseurs et puis 2 attaquants. Mais contre 4-5-1 tout côté qui ton seul attaquant. Et puis là je la caillou, yo prend plus d'accord dit risque offensif parce que yo dans l'obligation de gagner. Donc aujourd'hui, le fait que je la vigne de plus en plus tactique, de plus en plus fermé. Par exemple, n'est-ce que tu as joué Coupe du Monde? Ah, n'est-ce que tu as la défense, c'est une vertu? Ah, oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres qui disent tout, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, un pressing infernal pour réaliser sur l'adversaire, ça qui ou priver le ballon. Hein. Un entraîneur comme Guardiola, c'est sa philosophie, priver l'adversaire du ballon. Et à partir de son soubac un ballon, c'est Mengel, Johan Cruyff, d'héritier de Johan Cruyff, c'est ça que tu as dit. À l'époque, justement, de Cruyff en 1974, c'est toute l'équipe des Pays-Bas attaquait. En même temps, et puis toute l'équipe Pays-Bas tape défend en même temps. Football le football total. Et puis, là, quand il vient prendre Barcelone, il vient coach, il dit que c'est le monde qui a le ballon, hein, qui a plus de chance pour gagner. Très bien. Et c'est lui qui permet quand même Barcelone de gagner le premier titre de championnat. Donc, les choses évoluent en fonction des circonstances, en fonction des ressources de joueurs qu'on a à disposition, en fonction des enjeux, en fonction des rencontres qu'on a disputées, si c'est là qu'on a bien si dehors. Mais par exemple, l'équipe brésilienne là, il gagne, c'est un rail qui a un schéma figé. On connaît que le Brésil, de toute façon, a parlé de 4 défenseurs, et puis il gagne un sentinelle. 4 défenseurs, c'est Thiago Martelo, Thiago Silva, Miranda, et pour gagner Danilo, Casemiro comme sentinelle, et pour gagner Coutinho à gauche, William à droite, Paulinho là, et puis devant, il y a Neymar, il y a Gabi, et Sousse. C'est ça. Et coach là, il décide que c'est qu'on s'allait jouer. Et me sentit quel que soit ça qui vient, c'est qu'on s'allait aimer. Je ne sais pas comment l'a pas changé. Mais c'est ça qui va être le résultat jusqu'à présent. Alors, nous pourrions permettre. C'est là, oui. Alors, Fofo Macron, soit font intervention sur. Oui, je ne vais pas parler de exactement. Le risque, tout à fait d'accord avec le docteur Yvon sur la question de ressources d'abord. Parce qu'en fait, question philosophique, là, c'est que. Je vais t'avoir une pierre en temps à partir de ça, jouer au football, pour tes barons qu'on est là. Entendez pas dire. Parce que les nègres ont fait ça, on est le bilan que le docteur Adogon est primé, le bilan du joueur, il faut rendre compte que, Véronique Max dit, combien il est là qu'on est, qui est capable de bailler, est-ce qu'il est capable de bailler le terrain? Ou est-ce que des statistiques qui nous mettent sur le joueur, ça a couru 12 km, il couru 11 km. Mais s'il ne joue que 20 à 30% des matchs, c'est-à-dire que dans le match à jouer, majorité temps, sont les cas proposés sur la proposer. De telle sorte que c'est lui qui peut faire détonation hein, et c'est lui qui peut avoir une ressource pour effectivement là, je ne barre dans les 20 mètres, il dit maintenant, affecté parce que ça me finit avec, il m'a accéléré. Donc ça donne un joueur de rupture. Maintenant, contrairement dans l'Argentine, il est obligé de faire un petit peu plus loin. En d'autres termes, il bat plus de terrain. Ce qu'on appelle, si tu divises le terrain en 3 parties égales, pourquoi est-ce qu'on appelle le tiers international, c'est là que monsieur a balloté. Mais la ville de Iniesta en Barcelone, ils font une, deux pour jouer la pire chose. Dans l'Argentine, il n'a pas à aider, il a à construire lui-même le poil pour des ballons. Donc est-ce qu'elle gagne, on est capable de dire tout ça. Donc le temps pour le faire, il y aurait le temps contre elle. Donc, tout à fait d'accord avec le docteur Yves sur la question brésilienne qui est un petit peu. Je ne dis pas statique, non. Je ne veux pas. Je ne vais pas dire statique. Je dis que c'est une équipe connue. Oui. Parce 11 que, de départ, là. Il va statique. Connu. Il est connu. Le 11 de départ, il est connu. Connu, mais l'animation, parce qu'il est capable de schématiser à partir d'informatique. Très bien. Pour créer. Parce que le Brésil, toujours très bien étudié. Parce qu'en 2006, l'informaticien italien était dit que le Brésil était plus bien. Il était plus bien préparé. Mais l'Italie n'est pas venue au Brésil. Donc, on y a. Et comme le Brésil a peiné, le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, je vous assure que l'informaticien. Alors, oui, donc, quand vous avez un nouveau joueur par en particulier dans le Brésil, c'est Casemiro, moi, mon problème. Comme Sentinel, on va parler de l'animation, justement, Sentinel a un rôle essentiel en animation, à savoir, sa transition attaque et défense attaque là. Non, et je n'ai pas l'impression que Casemiro n'en prend pas ballon pour remettre Negio et l'ami de terrain en bon état, que c'est meilleur joueur. Il n'est pas bon, ou capable de faire sexy, il n'est pas viré qui par la bousquette, mais
comme c'est un Brésilien, c'est pas un pilo. Comme c'est un Brésilien, il fait le travail de ce qu'on appelle de transition, parce que les défenseurs brésiliens, particulièrement Thiago Silva, les passes frontales, Rassol, ils font. Mais et le leadership est collectif en termes de gestion du ballon. Là où il y a un ballon, il va falloir qu'effectivement l'équipe de la frontière remonte, puis vienne plus près de lui, pour faire une deux de transition pour qu'il dit puis commencer le projet d'attaque. Oui. Donc ça veut dire que Casemiro pas paraît et quand il arrive devant quand lui-même lui vivait tout et il est bon shoot. Très bien. Quand ça marche. Un petit aspect pour nous souligner sur ça c'est que l'équipe brésilienne ça qui est bon pour Tite c'est que pour arriver sur Alisson faut bourriquer en pile parce que attaquant yo a marqué. Et l'orif est dans le mi-temps terrain, ou bien ça m'a deux forces, ça au moins, deux forces. Dans le mi-temps terrain, tu as bouillé pour qu'il empêche d'arriver sur la défense. Donc, qui, on d'abord sur la défense, la sécurité défensive, et puis grâce à Dieu, grâce à Neymar, à Coutinho, à William, et Claire du Génie, n'importe quoi qu'il a fait. Donc, sur le plan offensif, pas de souci. La fantaisie créatrice est là, l'imagination créatrice est là. Parce qu'il y a des artistes, des virtuoses, des feux follets qui permettent ça. Et puis, il y a des sapeurs-pompiers qui, là, des joueurs qui ont réalisé ce travail que j'appelle ce travail du SAP, les forçats de l'entrejeu, les bûcherons, qui empêchaient que le joueur adversaire arrivait sous gardien. Alors, c'est quand même un atout. Le problème au niveau de la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est que les joueurs en général, arrive beaucoup trop fatigué au mondial après une saison éreintante. Pratiquement 50 matchs. Trop de matchs. Non, jamais eu longtemps, pas comme ça. C'est après Coupe du Monde, là, au niveau technique, tu as gagné, il était de meilleure qualité. Niveau A, tu es beaucoup plus élevé. Quand il y a là, joueur, on va dire qui est ta physique, on est comme ici, tant qu'on a le droit privé. Les superstars, les étoiles de la Coupe du Monde, ils sont capables de briller au maximum, je t'appelle, parce que il arrivait complètement fourbu à la Coupe du Monde. Cuit. C'est cuit, carbonisé. Très bien. Donc, alors, c'est quand même pour nous pas donner. Nous parlons de Brésil là, dans notre salle de l'émission. Nous parlons tout de l'Argentine, bien que favori, selon Bookmaker aussi, et l'Allemagne. Les trois favoris, je vais me dire rapidement. Il y a le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, ou capable de mettre l'Allemagne avant tout. Allemagne, Brésil, pour pas baïken, mon impression, pour quoi pour quoi. C'est l'Allemagne, Bookmaker, c'est les grandissimes favoris. Non, il y a un côté qui dit c'est le Brésil aussi. L'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, mais les outsiders qui sont capables à n'importe quel moment d'imposer tout, ils ont pour nous la France, ils ont pour nous l'Argentine, ils ont pour nous, à un degré moins, la Belgique, l'Angleterre et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Alors, dernière question, vraiment dernière question, avant de nous prendre une prochaine pause là pour nous tomber dans les répercussions du monde sur Haïti. France Exil, rapidement dis-nous, dans tête, de mémoire d'homme, trois événements, trois gros et nous sommes capables de dire performance Coupe du Monde qui traverse au début du Coupe du Monde qui traverse l'esprit. Et trois gros événements. C'est d'abord la participation, nous, 74. Et deuxième gros événement qui. C'est parce qu'en fait, c'est en 82, c'est la Coupe du Monde que nous vivons, parce que là, ça, nous sommes capables de comme bien dit garçon. Et la qualité de l'équipe brésilienne, très moderne, futuriste. Et puis, qui parle déjoué par en Italie super réaliste. Là, ça m'a comprendre que Béazot cap font changement. Parce que le Brésil a protesté pour le casser. Fait. Mais c'est là, je viens de comprendre 3, 4, 5 ans, 6 ans après. Coupe du Monde, ça a été marqué. Et puis, la Coupe du Monde d'après, c'est pour 86, première fois, moi et un joueur, t'es vraiment crasé en Coupe du Monde comme ça. Battre Pelé. Et c'était mais ouais Maradona avec des 4 goals 5 passes non par contre Jean et après Léo mais l'autre monde non pas l'autre monde Maradona l'autre monde non c'est pas que monde Cavell ou pas Boutiaga peut-être Valdano mais c'est les Batista mais les Batista Célis Brown Galvan bon c'est l'expérience de nos joueurs mais pourtant ils étaient très très mauvais avant mondial là et puis quand Maradona transcendé ça t'est marqué par rapport à la qualité du joueur qui vivait dans ce sens. Mais il faut le dire aussi, il y avait des circonstances atténuantes extrêmes. L'ordre de monter dans le monde Mexico parce que la Belgique et la Russie à ce moment là deux très belles équipes qui ont joué au football
vraiment de rêve avec Vasily Rats, mm-hmm. etc. Mais la nouvelle Yakovenko. Next à yo, il a joué trop vite dans les routes mexicaines. Il a cassé. Mais si la Russie et la Russie, la France même qui s'appelle l'Allemagne en pile, oui. parce que, bon, si c'est les parce que la performance allemande face à l'Argentine, la France était beaucoup mieux. Pourtant l'Allemagne bat la France contre Timon 2-0 dans la demi-finale là. Comme d'habitude. Donc, guider qui s'est cassé la Russie et surtout la Belgique devant l'Argentine. Donc ils ont cassé, ils n'ont pas arrivé dans la forme qui ont commencé. Mais cela a été effectivement une très très belle Coupe du Monde par rapport à la qualité du jeu. Très bien. Alors la même question. C'est la même question. Eh bien, 74 pour deux raisons. Là, mon jeune. Évidemment, on était présent. Haïti présent à la Coupe du Monde. C'est une pitié. Donc c'est quand même un événement qui marque. Qui était dans les mémoires, dans les esprits. Et nous profiter encore saluer tout le monde qui permet que le pays noir brille. Pas briller, non, mais participer. L'essentiel, c'est de participer. Disait, qui a barré le gouvernement. Et puis nous faisons deux goals. Nous marquons. On n'a pas été ridicule, sauf contre la Pologne, que nous faisons du 7-0. 4-1 devant l'Argentine, 3-1 devant l'Italie. Contrairement aux Zaïre qui prend 14 goals. Et par exemple, le Zaïre. Qui était première nation africaine à participer à la Coupe du Monde 9-0 face à la Yougoslavie. Donc ça veut dire au moins nous pas de trop mal passé ça. Et on a présent plus qu'une mi-temps avec 74 également pour l'autre raison, c'est que la Hollande, les Pays-Bas. Le football total. Mais écoutez, football total, football de rêve avec des joueurs complets. Il y avait Van Aynigen, il y avait Harry Hahn, il y avait les deux Johan Premier, Johan Cruyff et Johan Neeskens, buteur en finale contre l'Allemagne. Pourquoi ils me prennent plaisir pour moi la finale ça pour me couper. Ah mais bien sûr, mais ça arrivait. Il se voyait trop beau. Son leçon d'humilité des Pays-Bas. Mais on est au champion déjà. Première minute de jeu. Cruyff lavait tout le monde. Il n'a pas jamais touché le ballon. Penalty, transformé par Neeskens. Et puis tout le monde dit, quel monsieur, il y a les Hollandes bon. Et puis, au fil des minutes, Allemand reprend le contrôle du jeu là. Breitner égalise son penalty. Et puis, le jeu néerlandais s'est effrité, s'est complètement désagrégé. Ça m'a manqué. Et c'est depuis là que ça a continué. Il ne faut pas jamais vendre la peau de l'ours allemand avant de l'avoir trucé. Deuxième performance. Deuxième. Extraordinaire. Même malgré tout, il était by Cruyff, Ballon d'Or, cette année-là en 1974, puisque Beckenbauer est venu par après. Bon, l'autre Coupe du Monde qui marquait nous, évidemment, c'est 1982. Que moi, personnellement, mêlé, une symphonie inachevée. Un Brésil de rêve. Extraordinaire. Il est tellement à l'aise. Je joue avec une facilité de pousser l'eau sous la cou. Nous sommes gênés de la caille frère, tout le monde joue sous la cou, la caille frère. Ou bien sous la cou, collection de la. Avec une facilité déconcertante. Il y avait Zico, il y avait Eder, il y avait Junior. Mais, bon, mais, c'est fourni en inachevé parce que Négo était détendu. Comme les Pays-Bas en 1974, ils se voyaient déjà champions du monde. Comme le Brésil en 1950, se voyaient déjà champions du monde. Et puis, il y a perdu. Devant l'Uruguay, le Didia et le Tiafino. Et puis le gardien noir, Barbosa, depuis ce jour-là, a été maudit. Il a dit, monsieur, c'est lui qui la cause et a menti. Alors jusqu'à Dida, on nous dit que pas de gagner. Pas de gagner, gardien noir, absolument. Donc Barbosa le maudit, monsieur Brésil. Et puis ce Brésil-là, qui aurait dû être champion du monde. Et puis il est tombé face à une équipe italienne qui, normalement, pas de rivière là. Il y a un monde qui oubliait ça. Si on a accordé à Roger Mia le but qu'il avait inscrit contre le Cameroun, tout à fait valable, pardon, contre le Pérou, l'Italie ne se serait pas qualifiée pour le tour suivant. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Nous se font bon goal, Roger Mia, belle équipe camerounaise, et puis au Babalil. Et rappelez dans ces circonstances, Paolo aussi vient du Mondial. Et puis, et suspendu pour histoire de capter et match truqué, vendu, tout ce que tu veux. Et puis, quand il y a là, il dit bon, on a là, monsieur, parce que c'est un bon buteur, on a nous qu'à besoin. Et puis, c'est lui qui a assassiné le Brésil, 3 goals devant le Brésil, 2 contre la Pologne. Et un autre but devant l'Allemagne. Ça fait 6 buts, meilleur buteur, meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Troisième performance. La troisième performance, ça a été pour moi 2002. Parce que je ne pas voulu pour me sauter Maradona, mais je suis tout petit sur 1986. En 86, tu as parfaitement raison, France. Le match que moi j'aurais voulu voir en tant que possédé du football,
mais qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais lieu. C'est Argentine, oui. URSS. Oui. Pour moi, Maradona dans un état stratosphérique, ça que je dis, hein, capable d'affronter l'équipe la plus complète. Collectivement technique de Lobanowski, l'URSS de Valérie Lobanowski, l'URSS de Yakovenko, l'URSS de Igor Belanov, une équipe extraordinaire que maltraité dans 8e de finale face à la Belgique, a biclacrasé monsieur. Malgré 3 buts de Belanov, ballon d'or en 86 cette année-là, Belgique. Une belle équipe de football, mais qui est bon, que Diego Maradona a résolu dans la demi-finale. Une belle équipe. Mais attention, cette équipe de l'URSS qui avait pulvérisé la Hongrie 6-0 dans le match, premier match qui était joué, et puis elle fait un an avec la France, pour moi, au niveau football pur, c'était l'équipe la plus complète. Mais tu as gagné un certain Diego Maradona, on t'a envie de match. Alors, on est en 2002 pour nous proposer ça. On a fini rapidement. 2002, c'est parce qu'il y a eu ce retour gagnant de Ronaldo. En 2002, le Brésil n'était pas favori, c'était l'Argentine. Avec Juan Sebastián Veiga, on a une équipe extraordinaire. Et puis, premier tour, grâce à un coup franc de. La pose d'un coup franc de Anders. La France Benson, la France également. Oui, bien sûr, non, la France même. Après 98, il a éliminé le premier tour. Il perd du devant Danemark, il fait du devant Uruguay, 0-0, blessé, et puis match défaite contre le Sénégal en match d'ouverture, ça a été une catastrophe. Mais c'est la renaissance, la rédemption, la renaissance de Ronaldo. C'est pour ça qu'il a choisi 2002 à tout. Imaginez, à 60% de ses possibilités, il arrive, il marque 8 buts, il termine meilleur buteur, il marque 2 buts contre l'Allemagne en finale, et le Brésil a pu conquérir cette 5e couronne mondiale. Il y a une renaissance que je pensais moi-même personnellement qui fait mal à l'autre football brésilien qui s'est Roberto Carlos, que pour moi, pendant l'année 2002, ça c'est le ballon. C'est le ballon d'or. Ouais. Très bien. Très bien. Alors, deuxième partie de l'émission. Comme certaines mauvaises hommes disent que l'Istar en 2010 aurait dû être ballon d'or. Alors, dernier débat très animé. Deuxième partie de l'émission, côté. Question tactique et performance individuelle, performance collective, tout est manqué, Coupe du Monde, et bien débat là. Nous allons une troisième partie d'émission, nous allons regarder qui répercussion ou bien qui Jean Haïti lui-même qui a profité de l'événement planétaire ça. Non seulement pour nous, les citoyens, capables de jouer un petit bagage en plus, non, mais par rapport à l'activité économique que l'événement a généré, qui Jean, tout cas, qui plus cohésion sociale, bon, même qui nous base football, nous avons passé maintenant qu'on l'autre, qui nous base football là, nous bien ensemble. Nous allons regarder tout le bagage ça. Et bien, dans la troisième partie de l'émission, ça nous est la dernière ligne droite là. Haïti 360 sous télévision nationale d'Haïti n'a pas les Coupes du Monde, événement planétaire ça, événement ça pas qui tient qu'un monde différent. Même le jeu olympique là sont concentrés, ont condensé de toutes disciplines sportives qui gagnent sur la terre, mais Coupe du Monde là, il n'est pas gagné égal en termes non seulement de euphorie que lui-même a suscité, mais tout de participation ou bien de monde qui a gardé événement ça et derrière écran télévision, même dans la radio, si on est capable de dire comme ça. Haïti lui-même, et même avec toute notre nation, nous avons bien une possibilité dans le pays ça pour nous garder Coupe du Monde là, pour nous vibrer au rythme des performances de joueurs préférés, nous, équipes préférées nous. Mais au-delà de l'émotion sportive que Coupe du Monde là by France Exil, il y a également le côté économique qui sa Coupe du Monde ça a porté pour le pays comme Haïti qui n'est pas qualifié pour faire la finale. Comme je le disais tantôt, peut-être au début de l'émission, moi-même, c'est surtout. Est-ce qu'on y a chaque fois de mon invité, c'est surtout de ça m'emballer. Qui ça, ça va le quitter pour la population, pour le peuple, en termes de génération, de revenus, et qui ça va quitter. Parce que quand même, c'est sport. On va parler de ce que depuis que je suis brassé, je suis dépensé, je suis moins effectivement. C'est la croissance. C'est la question de croissance là, parlé. C'est pas si tu as dépensé comme pour nous serrer comme, pour nous aimer comme dans la thésaurisé. Est-ce que comme l'a investi, comme l'a peut-être généré emploi, il y a tout le monde qui dit, c'est à partir de Côte du Monde, on a un petit business. Est-ce que quelqu'un qui va faire un gros marché pas te coder, et puis la vend bière, et puis la font du corps, et puis comme ça, bénéficie comme faire du coup, il y a son boutique fait. Oh, moi-même, je suis heureux. Hein? Je suis heureux. Deuxième bagaille, ça c'est question COB. Mon cap dépenser l'argent, les gars vendent un drapeau, etc. etc. COB l'a brassé et puis mon gars allait mieux. Deuxième bagaille qui est important pour moi, je me tape dit ça dernièrement,
c'est gaspillage micro qui pas fait dans la Coupe du Monde, non, parce que nous avons les oreilles des jeunes et ils n'ont pas le temps de nous en pile, tout le temps dit de répéter. Donc, on nous dit bon bagaille pour nous, effectivement, et puis faire passer les jeunes. Ce qu'on appelle la grossesse précoce, la question de drogue en jeunesse, et la question de tissus. Pendant que je parle là, et puis vous me dites, mon cher, n'a pas le football, une grosse tactique a tombé, et puis je me fous là-dedans, je me dis, ah, attendez, souvent nos gros petits bails, on va le faire là, on envoie le gros bijou. Bon, on va pas faire le connier. Parce que ce qu'on appelle la relation sexuelle spontanée, bail vague, font titan. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, de telle sorte que petit monde dit, mais ça, je suis à Pédédin là. La fille n'a pas dit, mais ça, faut faire Pédédin là. Non, voilà. Dit, non, mon cher Mdoumba, nous voulons une relation sexuelle connier. Nous pas d'anti-sourit là. Parce que, à force de deal, il n'a pas fini par respecter. Donc, une population qui a grandi, qui a. Une population jeune. Qui a éclaté, et puis les ressources se raréfient. Nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas manger le colasser, et puis nous d'accord pour mon habit des petits. Ok? Nous avons un devoir en tant que directeur d'opinion d'essayer de vulgariser. Parce que, comme si la dossier pour être plus payé pour faire ça, nous autres, nous avons. Faut nous de voir ça. C'est la partie de fonction sociale, mais c'est, c'est une, je dirais, c'est une participation citoyenne. Faut que nous capables de dire jeunes, et ok, que mon livre, lit 400 mots, on page livre. Pas de problème. Lit 400 mots par jour. Pour nous prendre football, là, pas essayer de gagner trois matchs deux fois. Gagner match en fois. Et puis effectivement, dans l'intervalle là, quand c'est dit bientôt, lis au moins on page livre. Et surtout, mondial là va coïncider avec examen et baccalauréat. Examen baccalauréat. Parce que nous avons plus de baccalauréat. Donc, c'est genre de choses, tout le monde a tellement tendu, ce qu'on appelle la force persuasive de masse média, tout le monde a force d'entendre, il dit que mon bagaille. Très bien. Donc, moi, du point de vue social, je demande et confirme, je demande tout le monde qui a des oreilles, qui monsieur Damio, et si pas suspendu des bagailles qui parlent vraiment rapporter absolument rien, il faut dire des choses que au moins tout le monde a gagné. C'est wall nous, parce qu'il y a tant de nous. Nous pédons les politiques, depuis ces coups de passer nous. Et dans le final politique, dans la période ça. Il n'y a pas de gagne écoute là. C'est nous qui écoute là. Et pendant que nous gagne écoute là, il faut apprendre aux jeunes de bonnes choses. Parce que une dépédition pas terrible. Même si on dit 100 bagailles, mais au moins 5 qui apprennent dans l'oreille. Très bien. En termes de retombées économiques, Dr. Rivo, mais également Francis Xinzoudila, il fait appel à la fonction sociale des médias. Les médias jouent un rôle important dans et de construire notre société, et de construire l'avenir et l'histoire de notre façon, ou même qui jouent ça. Bon, le football, là, le sport en général, sont des mondes exutoires qui permettent que quand même, parce que la vie est faite de, il n'y a pas que, par exemple, le travail, le boulot, dodo, il y a aussi les distractions. Il vient là comme si pour capable et jouer anti-stress pour libérer cerveau, permettre que quoi régénérer cellules et même les neurones pas qu'à régénérer, mais ou capable de reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même j'en aller au travail, ok, même j'en ai des activités ou aller mener petit tout l'école, et bien les gens de événements ça y est, sportifs ça y est, c'est une activité hautement social qui a un impact très positif sur l'organisme et la vie sociale en général. Football là sont éléments fédérateurs que lui sont très d'union, ça rapproche. Ou bien un mariage, un ralliement, une sorte de communion entre toutes les couches sociales. Parce que y a un bail qui réunit nous, réunit eux et on partage ensemble, c'est la passion du sport. La passion du sport qui met ensemble. Gagner l'argent qui a circulé, maillot qui a acheté, gagner un bar qui a fonctionné, qui a vendu plus, gagner un match football qui a pu transmettre sur écran côté offert, entrée payée. Bref, donc, pile d'activité, gagner publicité qui permet que les médias rentrent, tiki choy, et que journalistes sportifs, chroniqueurs sportifs, tant que moi-même, tant que exil, tant que l'autre qui a gardé nous là, que nous profiter saluer, eh bien, il y a un bon petit bail qui entre dans le maillot. Qui permettent non seulement de vivre pleinement passion, mais ça permet de gagner une satisfaction financière, quelque part. Donc, c'est une très bonne chose. Autre chose, le sport inspire. Même Jean Vaison nous a participé dans la Coupe du Monde en 1994, et puis nous fait nous constamment à ressasser ces merveilleux souvenirs.
Mais nous capables nous-mêmes, tout bah, tête nous, ça stimule nous pour que nous travaillions davantage pour nous comment nous sommes capables de rééditer même exploit ça. À partir des dernières, pas participer à la Coupe du Monde des U20 en France. Nous ratons deux peu le coche pour U17. Donc son stimulus que lui. Et depuis quoi participer à la compétition, il y a l'argent pour capable de. Et puis tout le monde va mensana incorporé ça nous, tout autant fait sport. Tout autant que mon n'a pas pratiqué sport, moi je fais un jeu de tennis 3 fois par semaine, il est extrêmement important pour moi. Parce que tant qu'on t'a dit, ça protège contre les maladies cardiovasculaires. Donc le fait que même mon a gardé un match de football, eh bien, ça encourage lui-même faire sport. Et nous, une société qui a mangé mal, qui a vu très mal, que stress a crasé. Et c'est sport qui va permettre que l'évacuer ce problème de stress. Alors, il y a des gens qui veulent regarder la Coupe du Monde là, et qui veulent regarder l'émission et tout, qui dit bon, grand pile là, il faut le brasser, finalement, il ne va pas le tirer. Nous avons parlé de 3,2 milliards de dollars de droits de télévision, que FIFA lui-même ne va pas le gagner pour le tirer sur la mise. Justement, pour la distribution, ça, dit pour la population, est-ce que Haïti lui-même, comme une fédération qui est affiliée à la FIFA, est-ce que le gouvernement va le tirer? Il ne vient pas. Il vient, et au cours des années précédentes, je crois que ce man annuel, ça, il était en affaire de 250 000 dollars américains. Ouais. Okay. C'est ça le délai. Parce que lorsque nous-mêmes, par contre, si nous payons les droits pas droits, par exemple, on paye de quoi Arabie Saoudite, c'est 36 millions de dollars, il achète des droits. Ouais, ok. 36 millions de dollars, on ne vient pas à Arabie Saoudite. Donc, man, ça, FIFA redistribue. Mais redistribution, ça, qui ça n'a pas fait nous-mêmes? Bon, je dis, hein, on connaît que nous avons une fondation tout pour nous, on a cherché effectivement partenariat PPPA et privé public pour nous essayer d'arriver mobiliser pour nous faire une infrastructure moderne. Mais si nous avons tendance à nous mobiliser ça, et puis FIFA a dit, bon mes amis, il va développer sur 300 ans. Il va quand même un bel espace pour le faire une équipe entrée. Nous sommes capables effectivement de continuer à influencer sur l'infrastructure sportive de qualité. C'est très important. C'est là ça, nous allons nous compte que nous capables. Est-ce que nous sommes capables de bénéficier de 3 écoles, de 3 centres de formation départementaux? Il y en a un dans le nord, un dans le sud, un dans le sud-est ou dans la grandeur, par exemple. Parce que le bâtiment de l'Est en a été avec. Et on tient toujours. Donc, est-ce que ça, après Coupe du Monde, nous sommes capables effectivement de travailler sur 5 000 jeunes simultanément dans le pays, ou sur 10 000 jeunes simultanément dans le pays, qui parlent d'où après 5 ans, 6 ans, il y a possibilité, parce que toutes les pétitions sont toujours terribles, est-ce qu'on est capable de joindre ou capable de dégager 100? Si on dégage 100 dans 6 000, 7 000 jeunes, eh bien, avec question 12, 15, 16 équipes, on est capable de dire qu'on y a 16 équipes, il y a des possibilités de joindre 4 joueurs. Parce que qui va jouer joueur. Donc les centres de formation, mais centres de formation ça coûte parce qu'il faut faire ce qu'on appelle sport études, ça a un coût. Donc si comme ça capable permettre effectivement comme on dit même ça pour la passion, mais il y a aussi la question du marché parce que si Nike, Adidas, ouais, j'en balance ma série site. Quand j'en prends mes football dans la télévision, pas dans le stade non. J'en prends mes football dans le stade, 300 400 000 monde. Si Nike ou Adidas pour équipe, il est capable de vendre 20 000 maillots, capable de vendre 15 000 maillots, l'avenir. Et ça crée. Donc c'est nous pas arrêter seulement nous faire ça dans la carrière, nous sommes stériles dans le football. L'autre chose que nous avons dit, c'est qu'il y a de ça quelques mois, nous avons reçu la visite du président FIFA, Gianni Infantino. Nous avons rencontré ça avec le président de la République, là où il était là. Il a gagné une ancienne vedette sélection, Coatlato, qui était là. Boban. Zoni Boban, dans sa même chose. Il a gagné des engagements avec là qui était pour tout pour aider. Nous profiter de saluer l'initiative. Et pour la surtout pour eux. Parce que c'est une très très bonne initiative. Et que m'a fait la 100%. Je dis bravo Pépé et à tout le monde qui entre dans dynamique. Mais c'est votre projet. Non, c'est pas absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un engagement qui était moins rapidement pour que aider nous construire un stade digne de ce. Très bien. Parce que quand même, ça, lui-même, il a fait son temps. Le stade, entre guillemets, c'est lui au cadre. Alors, dernière question. Ça veut dire que c'est à vous. Activité Coupe du Monde a permis tout que l'engagement ça, la FIFA honore. Dernière question, dernière question, et désolé que ce soit l'adresse à monsieur qui l'a ensemble. Nous connaissons, nous avons fait toute minute là, n'a pas les football là, mais c'est malheureusement, nous avons seulement une heure de temps. Qui, Jean, nous avons utilisé passion ça qui vient autour du football là, et que Coupe du Monde là, l'a suscité là pour nous jeter base. Réflexion que tu as mené à Haïti, retourner à l'avenir en deux coups de jour. Même pas que l'autre fois, même malade de ça, c'est m'banan formation universelle, non pas ça. Moi même m'banan ciblé, ok, m'banan investi dans, m'banan investi dans au dérivé, pas même moi même, m'banan timoun.
si je ne suis pas capable de faire sport scolaire de manière organisée, de manière structurée, pour nous arriver à travailler sur une masse critique assez intéressante. Parce que là, les Haïtiens ne sont pas en transit. Les pays ont des visas, tout le monde allait. Donc, comme si mon petit, je suis sûr que je suis 10 ans avec eux. Et si par exemple, il est arrivé, parce que comme là, comme là, si il arrive à former 10 jeunes, si Haïti place 5 timons, et puis 5 timons sont dans cette formation, il arrive à faire 8, 9, 10 millions de dollars, 12 millions de dollars avec vente, parce que je débarque dans le Real Madrid, je suis dans Paris Saint-Germain, je suis dans Bayern, etc., je fais 12 millions de dollars. 12 millions de dollars, ça a venu dans le football haïtien pour régénérer le football là, pour que le club ait plus de force. Et depuis que le club ait plus de corps, il y a plus de moyens économiques. Structure de formation à renouveler. Structure de formation à renouveler, il y a plus de capacité. Il y a une balle dans le stade parce qu'il ne peut pas aligner 10 passes. Parce qu'il ne peut pas aligner 4 passes. Elles ne sont pas formées, les équipes. Oui, les joueurs ne sont pas. Combien de joueurs font-ils dit, monsieur, dès que ça a un shoot, c'est un shoot Joseph Oba, un shoot Carlo Breville. Son dribble à la Maningo. Chacho, Eliaza. Bon, et niveau. Ou pas qui shooter fort. Ou t'es Carlo Breville. Maintenant, rapidement, je suis footballeur. Même que Timoun. Parce que laisse ça. Je travaille sur Timoun 8 ans, 9 ans. Maintenant, 10 ans, il y a 18 ans. Très bien. D'ailleurs, on a cette date, laisse ça pour le passer. On va le déposer. Laisse ça, ça n'a pas été là. Revenu à tourner. Mais je fais des 25 nègres, les gars, on est plat. On est parti à passer, ils ont un vieux visa. Digitel. Il y a une visa, oui. Mais il faut dire, bon, il n'y a pas de patience. Parce qu'effectivement, les gens viennent chercher les gars. On vous demande la fiche technique du joueur. Et pour pas être même à 20 ans commencer. Non, vous devez commencer. Vous faites pour commencer. Le monde de fiche technique, il faut commencer à montrer l'image de 15 ans. Le quotidien de 15 ans, il faut dire là. Malgré toute télévision, il y a la réunion. Le quotidien de 15 ans, même si on n'est pas capable de faire sous smartphone, non. Il faut montrer l'enfant. Et à ce moment-là, on a fait un travail sur tout le monde, créer une masse critique de jeunes footballeurs qui sont capables de dire, dans 10 ans, mon cher, bon, je vais vous donner un indicateur. Je le donne maintenant à la télévision. Où est l'équipe de la Cognac? Il a une moyenne d'âge 22-23 ans. Il suffirait que vous ayez fait demi-finale. Non, Gold Cup. Gold Cup. Demi-finale. Parallèlement, vous avez une équipe moins de 20 ans qualifiée pour la Coupe du Monde. Vous êtes capable de jouer 3, 4 joueurs, 5 joueurs dans moins de 20 ans pour renforcer ça. Dès que vous êtes type de bagaille, vous êtes connaît ou pré-participation à la Coupe du Monde. Surtout à 48 équipes. Ou pas de pré-participation. Oui, Diego, qui jeune qui a utilisé l'euphorie, ça a gagné la Coupe du Monde, la passion, ça a gagné le football en Haïti, pour jeter base de réflexion pour Haïti dans la Coupe du Monde. Eh bien, c'est. D'abord, il faut que nous gagnions un fond de stabilité. Stabilité assez théorique, côté que toute bagaille va faire. Pour réussir, il faut que de stabilité. Parce que chaque fois que gagnent l'obéit, brigandaille, c'est qu'on toujours retourner à zéro. Et nous, on paye côté que tout est prioritaire. Donc, sauf là, bazar, c'est stabilité. Stabilité politique. Pour que ce sport, justement, et pour bien lancer à jour France, ça que fait nous aller dans la Coupe du Monde 74. En pile en joueur, c'est dans le championnat interscolaire. Nous sommes dans la campagne président. Je voulais l'IP insister sur ça. Il faut nous retourner avec les compétitions au niveau scolaire, universitaire et autres. C'est en bas, à la base, pour jouer un joueur, et puis pour que soient capables de jouer dans le club, et puis pour que les gens puissent recruter les grands recruteurs, les clubs européens, sud-américains, etc., capables de venir là, et puis pour que on ait du talent, et puis y acheter eux, pour permettre qu'ils aient brillé à l'extérieur. Et ou déjà, ouais, retombé au dividende économique, qui ça peut présenter économiquement pour Haïti. Donc, il faut nous passer par le championnat interscolaire là. L'autre bagage, c'est que ça crée une dynamique, une grande dynamique. Dynamique qui ça? C'est que plus de monde a intéressé, investi dans le sport, parce que l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, quelle est la réalité? C'est que nos amis du secteur privé, nos amis du secteur privé, nos compatriotes du secteur, ils ont des gens très, très, très frileux, timide pour investir dans le sport. Ça capable de créer une nouvelle dynamique côté que vous avez plus involvé, entrer dans la question sport. Et ça va permettre que non seulement nous briller plus au niveau international dans la compétition que nous avons participé, mais au niveau local, il y a plus l'argent qui a circulé. Ça capable de booster l'économie paysanne. Donc ça, c'est quand même un encouragement. C'est une dynamique que l'a renforcée dans la question renforcée et sport. Permettre que y ait plus de clubs
qui gagnent moyen dans mes parce que trois quatre clubs là, tous clubs pratiquement, ce sont des clubs qui y pauvrent. Pour les pieds secs. Donc ça c'est un incitatif à un secteur qui capital, qui clé, qui vital pour développement sport en général, qui est le secteur privé, pour fourrer pied dans la question et accompagner l'État dans cette belle mission qui consiste à former et les esprits, puisque des propres faire sport, intelligence ou développer plus. Jamais. Boucle à boucle, Haïti 360 à Soya, nous avons parlé football avec invité nous, Rudy Rivo, qui ou pral gagner pour suivre sur la télévision nationale. Dès demain, et bien dans la présentation Mathieu et France Exil, que nous pral gagner pour nous suivre dans l'autre média, donc Radio Libo, Canal Bleu, Libo Bleu. Qui pral gagner pour faire nous vivre un match football. Yo. Et les gens qui pral parler bien sérieux, et les gens qui pral porter connaissance utile pour nous. Jeune Dil, Haïti 360, c'est promotion connaissance utile nous fait ici. Et nous profitons de vos messages pour les gens qui ont regardé l'émission. Coupe du monde dans ce moment de fraternité. Et pas moment pour les fanatiques Brésil, pour les gourmets avec les fanatiques Argentine, après le résultat match, soit le favorable ou le défavorable. Bon, l'autre. On boit bien ensemble, on rete en bas et en dans base football, on fait belle discussion qui est capable de permettre que les bagailles avancent. On chita ensemble pour réfléchir tout ça qui arrive dans l'interludio, le problème pays, à qui gens, ensemble nous avons des solutions collectives, bon la caille nous pour sortir tête nous. Mais qui sont si la gâchette, tu l'équipe nous finit champion, fin gagne un match football, tant pis. Bah, mon chance, mon qui cardiaque nous dans la zone, n'a pas vu nous tirer, pour pas venir faire mon zan mourir avant l'heure. La police, ça arrive, fait travail. Eh bien, on arrange pour nous faire que Coupe du Monde là